enfin sur ce papier. Et si j'ai demandé à Dieu une vie chrétienne digne de ce nom, je ne travaille pas encore. Mais une sœur dans mon église a attiré mon attention. En attendant que je puisse avoir un boulot, je ne veux pas que quelqu'un d'autre la choisisse avant moi. Que dois-je faire dans ce cas? Vous vouliez faire quoi? Occuper déjà la parcelle et mettre la plaque occupée. Non. Si vous avez aimé une sœur et que vous n'êtes pas encore prêt, allez prier. Dites à Dieu que personne ne s'approche d'elle. Et vous vous en tenez là. Mais ne venez pas nous occuper des parcelles. Vous vous en tenez là. Si vous allez déjà contacter la sœur et que des fiançailles étaient établies, eh bien vous allez vous marier quand, puisque vous n'avez pas de boulot? Je connais une sœur qui a passé 15 ou 20 ans dans les fiançailles. Et son mari est mort avant qu'il se marie. Donc elle est veuve dans les fiançailles. C'est ce que vous voulez donner aux filles d'autrui. C'est ça que nous voulons éviter. Ce que je vous dis là est vraiment concret, c'est réel. Hein? Je connais la sœur, le nom, l'église, tout ça, la ville, je préfère ne pas vous dire tout ça. Toutes ces années dans les fiançailles, en train d'attendre, chérie, ça va marcher. Mais t'en fais pas. Je vais faire ceci. Après là, je rentre là. Après, il est mort. 15 ou 20 ans dans les fiançailles, la sœur est veuve. Comment on va l'appeler en français? Comment? Oui, ce n'était pas. Veuve et fiancée ou quoi? Je ne sais plus. Nous avons un couple qui a beaucoup l'impé.